Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à celle sur le trajet aller de la flûte et où je filme Super Tibaldo qui est devant moi. Et on emprunte un autre itinéraire possible mais beaucoup moins tranquille que l'aller. Il fout beau soleil, hein. C'est éclairci. Pour ce trajet, je me rends compte que j'étais filmé sur l'autre trajet et cette fois-ci, c'est moi qui filme Super Tibaldo et j'arrive également à bien cadrer comme lui la caméra. Et le trajet va pouvoir être beaucoup plus rapide qu'à l'aller. Ah, juste ici, on va voir que je commence à me déporter sur la gauche, mais en fait, la piétonne avec sa poussette... Elle fait aussi attention que nous à pas gêner les autres. C'est vraiment sympa. Ici, on contourne le parc de la Ramée qu'on a traversé tout à l'heure. On se rallonge, mais on se déplace beaucoup plus vite. Par contre, c'est un peu moins tranquille. Vous allez remarquer que je tourne la tête assez souvent pour vérifier ce qui se passe, ce qui arrive derrière nous et qu'on peut traverser en toute sécurité. Et là, pendant les 2-3 minutes qui vont suivre, la caméra va rester stable alors que nous passons des bosses ou alors que Super Tibaldo va un peu trop vite. Ici, je viens juste de laisser passer 2-3 voitures en fait pour ne pas les avoir au moment où je traverse le carrefour hanté. Encore un petit coup d'œil à gauche, même 2 coups d'œil à gauche. En regardant les images, je me rends compte qu'on a vraiment la chance de pouvoir faire les difficiles en choisissant l'itinéraire le plus tranquille parmi deux possibilités. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo et on a vu la différence entre la compo piste cyclable et trottoir partagé et la traversée du parc de la Ramée. À bientôt dans une prochaine vidéo.